Nous allons prier le Seigneur avant d'ouvrir sa parole. Plus je vais, plus je vomis ce qui vient de la chair, de l'homme, de la terre. Et il faut que la prédication soit délivrée de ce que j'appelle cette lèpre-là, que rien ne vienne de ce qui vient d'en bas, mais que la parole de Dieu soit imprégnée du Saint-Esprit. Il n'y a que ce qui viendra de l'Esprit qui peut rester dans votre cœur ce matin. Nous sommes là pour faire des progrès ensemble, avec la grâce de Dieu. Nous nous recueillons quelques instants. Tu as dit, Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Nous sommes dans un temps où il nous convient ensemble de te chercher. Le temps est court. Nous n'avons plus de temps à perdre. Aide-nous, Seigneur, à avancer ensemble vers Christ. Et c'est pourquoi je prie pour que tu m'accordes toute ta grâce pour proclamer ta parole ce matin. Qu'elle ne soit pas annoncée avec des mots seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre la voix de l'Époux. Seigneur, fais grâce. Imprime cette parole dans nos cœurs. Je prie pour qu'aucun de nous ne reparte à vide. Touche les plus âgés, touche les adultes, touche les jeunes, touche les enfants. Seigneur, que ce soit une vraie rencontre avec toi ce matin. Merci pour ce que tu vas faire dans ta grâce. Amen. J'aimerais vous conduire vers un texte très court de la parole de Dieu, très simple aussi. Et mon désir n'est pas de compliquer ce que Dieu dit simplement. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 16. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen. Ce texte de l'Écriture parle donc de paix. Et vous ne le contesterez pas. La paix, c'est un besoin universel. Il y a un besoin de paix entre les nations. Le monde va mal. Il y a un besoin de paix au sein de chaque nation. Dans une nation, il y a des troubles. Besoin de paix dans nos villes. Besoin de paix dans nos quartiers. Besoin de paix dans les foyers, besoin de paix dans chaque vie. Et j'ose le dire, dans chaque vie, que nous soyons chrétiens ou non, même le chrétien a besoin de paix. J'aimerais vous poser une question, et c'est avec ça un petit peu que je suis venu vous rencontrer ce matin. Est-ce que vous savez vivre constamment dans la paix ? J'ai l'impression que j'ai bien fait de venir et de vous apporter ce message-là. Ce message est pour vous, il est pour moi, parce que le diable vient pour diviser, égorger, détruire, ravir, et il vole notre paix. Ce message, j'en suis conscient, va concerner chacun de nous. Et vous savez, il y a des choses que je sens quand je prépare les choses devant Dieu. Je pense que ce message concerne certainement plus précisément et plus particulièrement certains d'entre nous ce matin, en raison d'une situation particulière de leur vie actuellement. Nous allons faire ensemble un découpage très court de ce texte. J'aimerais vous parlez tout d'abord de la source de la paix. Ce texte dit que
que le Seigneur de la paix. Quand vous avez besoin d'une baguette de pain, vous n'allez pas chez le coiffeur. Quand vous voulez acheter un rôti de bœuf, je dis ça pour les frères Zigan, vous n'entrez pas chez un fleuriste. Si vous voulez faire un contrôle de votre voiture, vous n'allez pas chez un pâtissier. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que notre Dieu, lui, rassemble dans sa nature divine tout ce dont nous avons besoin. Amen. L'apôtre Jean a écrit dans sa première lettre au chapitre 4, verset 8, « Dieu est amour ». Il a écrit dans sa première lettre au chapitre 1er, verset 5, « Dieu est lumière ». L'apôtre Paul a écrit dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, « Le Dieu de toute consolation ». Il a écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13, « Le Dieu de l'espérance ». Dans son épître aux Romains, chapitre 15, verset 33, « Le Dieu de paix ». Et nous le retrouvons ici. Et déjà dans l'Ancien Testament, quand Gédéon a rencontré magnifiquement le Seigneur, il a bâti un autel et lui a donné le nom « L'Éternel paix », Jéhovah Shalom. Mais pourquoi est-ce que je vous dis cela ce matin? Parce que vous et moi, nous avons besoin d'apprendre à connaître notre Dieu. Et nous avons besoin de connaître les différentes richesses de sa nature divine pour attendre de lui la bénédiction qui correspond à notre besoin. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Puisque nous parlons de paix ce matin, mon frère, ma sœur, tu as besoin de paix? Alors, mais comprenez-moi bien, je ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Nous n'allons pas nous approcher du Dieu de consolation. N'allons pas nous approcher du Dieu de lumière. Quel trait de la nature de Dieu va correspondre à mon besoin? Il est le Dieu de paix. J'ai besoin de paix. Alors je sais qu'en mon Dieu, dans l'un des traits de sa nature, il y a ce qui correspond à mon besoin. Vous avez besoin de paix ce matin? Alors venez auprès de votre Dieu de paix. C'est aussi simple que cela. Ce que je vais ajouter ne vous fera peut-être pas plaisir, mais revenez quand même. Notre faiblesse, nos défaites, notre pauvreté spirituelle proviennent d'une méconnaissance de notre Dieu. Il faut que nous apprenions à le connaître dans toutes ses richesses, pour qu'à l'heure du besoin, à l'heure des combats, à l'heure des luttes, à l'heure des chemins difficiles, nous puissions puiser en lui tout ce dont nous avons besoin. On va y aller crescendo, vous allez voir, ça va être de mieux en mieux. On découvre dans la parole de Dieu, et je viens de le citer, que Dieu est le Dieu de paix. Mais ici, dans le texte, il est parlé du Seigneur de la paix. Et le Seigneur, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Donc Dieu est le Dieu de paix, Jésus est le Seigneur de la paix. Et avec cela s'accorde la prophétie d'Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'y reviendrai certainement avant la fin du message, mais rappelez-vous les paroles de Jésus dans un temps très particulier, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quant au Saint-Esprit, il est également l'Esprit de paix. Parce que dans l'une des manifestations de son fruit,
il y a la paix. Elle arrive après l'amour et la joie. Mais c'est pas tout. L'évangile est un évangile de paix. Rappelez-vous, dans l'armure du soldat chrétien, l'apôtre Paul dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Alors là, je dis, c'est formidable. J'ai employé un mot que je n'aime pas, mais la Trinité est la source de ma paix. Dieu le Père est le Dieu de paix. Jésus est le Seigneur de la paix. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Et même la parole de Dieu, c'est une parole de paix. Alors je dis, mon frère, ma sœur, la source de ta paix ce matin, elle est merveilleuse. La source de ta paix, elle est abondante, elle est surnaturelle. Et j'aimerais tellement que vous puissiez en Jésus, en Dieu et dans le Saint-Esprit, l'encouragement dont vous avez besoin. Voilà pour la source. L'acquisition de la paix. Nous avons lu que le Seigneur de la paix vous donne. Ça me rassure. C'est un don, c'est un cadeau, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une récompense pour un effort, ce n'est pas un salaire pour une œuvre ou un acte de piété. Alors oui, je suis en plein accord avec le cantique que notre frère a fait chanter tout à l'heure, où nous réclamons au Seigneur vraiment une vie victorieuse sur le péché, parce que oui, pour avoir la paix, il y a des conditions à remplir. Je ne vous le cache pas. Si, en tant que pasteur, je ne vous disais pas cela, je vous bercerais d'illusions et je ne serais pas dans la ligne de la pensée de Dieu. Il y a des conditions, et la condition, c'est une vie en ordre avec Dieu. C'est la rupture d'avec tout péché connu. La parole de Dieu dit « tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal ». Et l'apôtre Paul ajoute « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. » La parole de Dieu dit ailleurs « Il n'y a pas de paix pour les pécheurs, dit mon Dieu. » Rappelez-vous, juste après la chute, Adam a eu peur. Il a perdu sa paix. Quand sur le soir, la voix de l'Éternel a parcouru le jardin, Adam et Ève ont entendu cette voix qui pourtant était si bénie, si réconfortante, si formidable avant. Là, ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin. Et on entend cette question, c'est la première de la Bible. Dieu cherche l'homme. Où es-tu? Eh bien, je me suis caché, j'ai eu peur. Là, le trouble est arrivé très tôt, comme les conséquences du péché. On est au chapitre 3 de la Genèse. Et selon l'édition de votre Bible, vous n'avez même pas une page à tourner. Vous arrivez au chapitre 4. Et là, vous avez le microcosme de la guerre. Caïn tue Abel. Donc la paix, elle est ôtée du cœur, dans une relation avec Dieu, et ça se prolonge dans les relations avec les hommes. Les hommes s'entretuent parce qu'il y a une rupture avec Dieu. La paix n'existe plus avec Dieu et elle ne peut pas exister entre les hommes. Ce sont les conséquences du péché. Mais, quand bien même, et je pense que c'est le lot de chacun de nous ce matin, nous aimons le Seigneur de tout notre cœur et nous voulons être sérieux avec lui, nous voulons balayer la maison, notre vie qui est le temple du Seigneur, nous cherchons à lui plaire, nous cherchons à nous sanctifier, je vous dis que quand bien même ces conditions seraient remplies, elles ne constituent pas des mérites en elles-mêmes. Nous ne pouvons jamais approcher le Seigneur sur la base de nos mérites, de nos prières, de nos actes de piété, ni même de nos sanctifications, parce que tout est grâce avec notre Dieu. Dieu ne nous doit rien. Et ce matin, il veut te donner sa paix. Amen. Par amour. Amen. Et je dis, n'est-ce pas déjà mettre un pas dans le chemin de la paix que d'attendre ce don de la part du Seigneur, de nous reposer sur lui, sur sa fidélité,
et de ne pas compter sur nous-mêmes, de nous appuyer sur nos efforts. Que le Seigneur de la paix vous donne. Alors maintenant, le donateur de la paix. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même. Ah, moi, j'aime bien décortiquer la parole de Dieu. On ne peut pas passer vite comme ça. Mais ça veut dire quoi, ça? Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Il ne délègue pas cette mission à quelqu'un d'autre, quel qu'il soit. Ce n'est pas un ange qui donne la paix. Ce n'est pas un archange. Ce n'est pas un chérubin. Ce n'est pas un séraphin. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Lui-même. Et cette paix dont nous parlons et dont nous avons besoin ne sera pas non plus donnée par l'un de nos semblables, ni même par un frère, aussi excellent fut-il devant le Seigneur, ni par une sœur, aussi excellente fut-elle devant le Seigneur. Auprès d'eux, nous pourrons trouver un peu de paix. Je ne vais pas nier cela. Un peu de paix pour un temps déterminé, mais pas la paix divine, pas la paix constante, pas la paix surnaturelle dont je vais vous parler dans quelques minutes. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il inspiré à l'apôtre Paul cette pensée que le Seigneur de la paix vous donne lui-même? C'est certainement l'un des points forts de mon message ce matin qui m'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'il va vous faire du bien. Amen. Essayez de me suivre, c'est très simple. Parce que cette paix n'est pas extérieure à Dieu. Elle n'est pas hors de lui. Si ce matin, je vous donne ma montre, ne rêvez pas. Je vais l'enlever de mon poignet, je vous la donne, elle est extérieure à ma personne. Alors croyez-vous qu'au ciel, Dieu dise, ah bien, tiens, ça l'Europe ce matin, à Mondeville, le frère là, il a besoin de paix dans son cœur, alors Dieu va aller chercher quelque part la paix? Non. Cette paix n'est pas extérieure à Dieu, elle n'est pas hors de lui. Elle n'est pas la propriété de quelqu'un d'autre. J'aimerais vous dire que la paix dont vous avez besoin et dont j'ai besoin, c'est la nature même de notre Dieu. Amen. Il n'est pas dit que Dieu a de l'amour, mais qu'il est amour. Amen. Il n'est pas dit que Dieu a de la lumière, mais qu'il est lumière. On est d'accord ? Amen. Et il n'est pas écrit que Dieu a de la paix, mais qu'il est la paix. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce matin? Ça veut dire que le Seigneur est disposé à te donner la paix, mais ça veut dire quoi précisément? Mais que Dieu est prêt à déposer dans ta vie une partie de lui-même. Une partie de lui-même, parce qu'il est la paix. Je voudrais que nous comprenions cela ce matin, c'est très important. Recevoir la paix de Dieu dans votre vie ce matin, ce n'est pas recevoir quelque chose, c'est recevoir quelqu'un. Et je ne suis pas sûr que nous l'ayons vraiment compris, ça. Nous recevons une part de la personne de Dieu, un trait de sa nature divine, de son caractère, l'une de ses richesses divines. Oui. En nous donnant la paix, le Seigneur se donne lui-même. Jésus donne la paix parce qu'il est le reflet, l'empreinte de la personne du Père. Le Saint-Esprit donne la paix parce qu'il prend de ce qui est à Jésus et il le communique. Les trois personnes sont à l'œuvre pour nous. La Trinité tout entière est à l'œuvre pour nous faire vivre dans le repos divin. Maintenant, le temps
où Dieu nous donne la paix. Alors là, si vous partez découragé, moi je suis découragé. Dieu donne la paix en tout temps. Amen. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Est-ce que, franchement, avez-vous besoin de paix quand rien ne vous trouble? Ça va pas mal quand rien ne nous trouble. Hein? On va ce matin aller au cœur du message. Parce que je crois que Dieu a quelque chose à dire là. Mais dans le temps, et c'est peut-être ce dimanche, dans le temps où rien ne peut te faire vivre en paix, dans le temps où personne autour de toi ne peut te faire vivre en paix, Dieu le peut. Amen. Ce matin, il le peut. Amen. Un peintre a voulu fixer sur sa toile quelque chose qui représenterait la paix. Et il n'a pas choisi un paysage de campagne, verdoyant, avec des fleurs. C'est étonnant ce qu'il a fait. Il a peint sur sa toile un orage effrayant, un ciel noir, les éléments déchaînés. Et puis il a mis sur la branche d'un arbre un petit oiseau. Et il l'a peint d'une telle manière que, en regardant le tableau, on comprenait que l'oiseau sifflait. La paix, c'est ça. Quand tout est noir, tu chantes. Parce que tout autour, c'est le domaine de Satan. Mais toi, à ce moment-là, tu as quelque chose de la personne de Dieu dans ton cœur. Il est le Seigneur de la paix. La paix, quand ta barque est en pleine tempête. Il dort. Mais dort! Nous, les pasteurs, on a à jongler avec ce texte, hein, parce qu'il est un petit peu embarrassant quand même. Avouons-le, il est embarrassant ce texte de l'Évangile. Jésus dort. Et plus on avance, plus long, la barque prend l'eau. Alors nous, on dit... Ben, ils ont bien fait de réveiller le Seigneur, parce que ça se serait fini comment? Comment ça se serait fini? Vous imaginez que le Fils de Dieu finisse au fond de l'eau? Non mais sérieusement? Vous pensez qu'avec Jésus dans la barque, même s'il dort, la barque aurait pu chavirer, et le Fils de Dieu venu du ciel, qui a créé les milliards de galaxies, se serait retrouvé au fond de l'eau? Mais non. Alors je dis que ce miracle formidable est un demi-miracle, parce que le miracle, ça aurait été d'être tranquille avec lui, et la barque serait quand même arrivée de l'autre côté, malgré la tempête. Alors, béni soit Dieu qui calme nos tempêtes. Mais j'ose dire ce matin, quand bien même il ne calmerait pas une tempête de ta vie, il est avec toi, et tu la traverseras en vainqueur. Quand une mauvaise nouvelle vient ébranler ton cœur, il est venu vers le Seigneur à cause de sa fille qui n'allait pas bien du tout, près de mourir. Et il y a ici des pères, et il y a ici des mères, des pères et des mères qui ont un cœur lourd à cause d'un fils. À cause d'une fille, ou plusieurs. Et certains font ça ce matin, parce que vous savez que c'est vrai. Alors on vient au culte, bien sûr pour le Seigneur, on se réjouit, on chante Hosanna. Il n'empêche qu'au fond, là, il y a un dépôt dont on n'arrive pas à se libérer, et heureusement d'ailleurs. Parce qu'on est humain, et heureusement qu'on a encore des sentiments. Que Dieu ne nous dépersonnalise pas. Mais il y a ce matin, et c'est pour ça que Dieu a mis ce message-là sur mon cœur, des papas et des mamans qui ont le cœur lourd à cause d'un fils ou d'une fille.
On approche de la maison. Et Jaïrus va se prendre le message en plein cœur. Ta fille est morte. Et ça, c'est ce que le diable te dit. Ça, c'est ce que le diable te dit. Ta fille, elle ne va pas s'en sortir. Ton fils, il ne va pas s'en sortir. Toi, tu occultes. Il est à des centaines de kilomètres, là, dans sa vie misérable. Et qu'est-ce que tu crois que ça va changer? Mais ça ne changera jamais. Ton fils est malade. Et, et c'est incurable. Alors, ça sera comme la fille de Jaïrus. Ton fils va mourir. Ta fille, elle va mourir. Et si ce n'est pas physiquement, ce sera psychiquement, ce sera moralement. Ce n'est pas la peine. Comment ça, ce n'est pas la peine? Comment ça, ce n'est pas la peine? Mais Dieu est le Seigneur de la paix. Amen. Alors, entendez ce que dit Jésus. Entendez ce que dit Jésus à ce Père. On imagine tout ce qui s'est cassé dans son cœur à ce moment-là, tout ce qui s'est effondré en disant « Mais je suis venu vers Jésus, ça n'a rien changé. J'ai prié, ça n'a rien changé. » Et puis celle-là, pourquoi, avec sa perte de sang, là, elle a arrêté le Seigneur, il serait peut-être arrivé à temps. On s'en prend aux autres après. Ah ben si ça a tourné comme ça, c'est de la faute des autres. Laisse faire le Seigneur de la paix. Amen. Laisse faire le Seigneur de la paix. Alors quel est le message pour ce Père? Ne crains pas. Ne crains pas. Avant de parler de foi, il parle de paix. Parce que c'est difficile d'avoir la foi dans la tempête. Donc il faut que cette tempête intérieure s'en aille. Ne crains pas, crois seulement. Et alors après, le Seigneur de la paix, il est le Seigneur de la vie, il est le Seigneur de la résurrection, enfin, prenez après ce que vous voulez en lui, Talita Kumi. Et ça se finit pas trop mal. C'est tout le mal que je vous souhaite. La paix, quand nous sommes environnés d'ennemis, quelle multitude se lève contre moi, Seigneur? Combien qui disent à mon sujet... Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Vous avez jamais entendu ça? C'était la situation de David au moment de la révolte d'Absalom. Et juste le verset d'après, il dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Ouais. Il a dit même à deux psaumes plus loin « Je me couche et je m'endors en paix. » Car le Seigneur me donne la sécurité dans sa demeure. En paix, quand les adversaires de l'Évangile préparent le pire contre nous. Moi, j'admire Pierre. Demain, il va se faire raccourcir d'une tête. Parce que le faire comparaître, dans le texte original, c'est le faire exécuter. Ce qu'on avait fait à Jacques, on s'apprêtait à le faire à Pierre. Alors, il est là dans la prison. Il n'a plus que quelques heures à vivre. C'est décidé en haut lieu, dans les sphères... Le Sanhédrin, là, tous les chefs religieux, tous ceux qui ont pouvoir sur les vies, qui croient l'avoir, comme s'ils pouvaient décider de nous. Et Pierre est là dans la prison et il dort. Alors là, moi je l'admire parce que franchement, je vous interdis de me juger. Moi j'aurais pas dormi. Même avec un tube de Valium, j'aurais quand même pas dormi. C'est pas rien. Eh bien lui, il a les chaînes dans les mains. Il a certainement les fers aux pieds, il est entouré de soldats et il dort. Parce que le cœur de Pierre, là, l'apôtre, est rempli du Seigneur de la paix. Alors, vous connaissez la suite. Dieu envoie un ange, et puis les chaînes, les portes de la prison, tout ça, ça ne pèse pas bien lourd. Le Seigneur libère son apôtre. En paix, quand nous sommes en paix, quand nous nous sommes convertis au Seigneur et que nous rencontrons toutes sortes de persécutions. Parce qu'on a lu le verset des Thessaloniciens, là. Il faut revoir le contexte de l'église de Thessalonique. Les gens s'étaient convertis au milieu de persécutions terribles. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre termine sa deuxième lettre en appelant sur eux la paix du Seigneur. Alors vous vous convertissez, eh bien, béni soit Dieu, vous engagez, dans la meilleure de toutes les vies. Mais ça va être très dur, moi je vous le dis. Le Seigneur ne nous a pas caché les choses, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors ne soyez pas surpris,
de toutes les difficultés que nous rencontrons en tant que chrétiens, c'est la chose la plus normale qui soit, mais nous avons avec nous le Seigneur de la paix. Amen. On les brûlait, ces gars, des jeunes gens, comme il peut y avoir des jeunes gens ici. On les mettait sur des bûchers à Lyon à cause de leur foi. On les brûlait vifs pour le nom de Jésus. Et un bourreau, un jour, a mis sa main sur la poitrine d'un de ces jeunes gens et il a remarqué que le rythme cardiaque était normal. Et il s'en est étonné. Il a dit au garçon, mais vous allez mourir dans quelques secondes, vous brûlez vif. À cause de votre foi, vous ne voulez pas renier Jésus. Mais comment se fait-il que vous avez un tel calme? Et le jeune homme a répondu, monsieur, au ciel, on est en train de distribuer des couronnes et nous y allons pour recevoir les nôtres. Le Seigneur de la paix. David a écrit dans l'un de ses psaumes, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus a apporté la paix à ses disciples. Bien avant les moments très difficiles, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et au moment de la résurrection, j'y ai fait allusion dimanche après-midi dernier, rapidement, mais au moment de la résurrection, les disciples raisonnent et ils disent « Mais on lui a fait ça, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection encore, ils vont nous faire la même chose à nous. » Alors ils se sont enfermés, ils se sont barricadés par crainte. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Et quelle est la première parole du Seigneur? Où est votre foi? Vous êtes décevant, je vous abandonne, vous n'aviez qu'à être fidèle. Il y en a un qui m'a trahi, l'autre qui m'a renié, et vous êtes tous dans la... Mais ce n'est pas notre Dieu, ça. On n'est pas aux réunions pour se faire massacrer. Le Seigneur ne vient pas au milieu de son peuple pour le massacrer. Il vient au milieu de son peuple pour le fortifier. Alors, quel est le trait de la nature divine dont ces hommes-là ont besoin? De la paix. Et quelle est la première chose que Jésus leur dit? La paix soit avec vous. Thomas n'est pas venu. Quand vous ne venez pas, moi je vous le dis, hein, vous ratez quelque chose. Chaque réunion est une bénédiction. Heureusement, vous étiez tous là mercredi dernier. 8 jours après, Thomas vient quand même. Il n'est pas buté. Et les disciples sont toujours dans la crainte. Toujours. C'est un arbre qu'on a du mal à déraciner. Et à nouveau, le Seigneur dit, la paix soit avec vous. Tu as besoin de la paix, il va te la donner ce matin. Et comme tu as du mal, demain, le diable va venir grignoter un peu de ta paix. Jeudi, tu vas être au creux. Et dimanche, le Seigneur va te dire, ben, fallait retenir ce que le pasteur a dit. Débrouille-toi. Non, non, dimanche prochain, vous aurez besoin d'une autre piqûre. Il va vous la redonner. Amen. Il vous dira encore, la paix soit avec vous. Amen. Alors, j'ai bientôt fini. Mais je voudrais vous dire ceci. C'est que la paix que le Seigneur veut nous donner et renouveler en nous est une paix surnaturel. Parce que j'ai lu dans ma Bible, dans l'Épître aux Philippiens, que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que, et ça il faut que nous entrions dans cette phase-là, c'est qu'à un moment donné, étant rempli de cette paix de Dieu, qui est sa nature, nous n'arriverons pas à nous inquiéter. Quand bien même nous aurions toutes les raisons de nous inquiéter, nous ne pourrions pas le faire, parce que ce sera un véritable miracle intérieur. Nous serons habités d'une paix miraculeuse qui surpasse toute intelligence. Ah, on va quand même aller voir un petit texte dans les Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Parce que là, il y a quelque chose de très, très intéressant. Philippiens
Philippiens, chapitre 4, verset 6. Après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre que le Seigneur ose nous parler comme ça. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors, la clé qui ouvre la porte de la foi, c'est quand même la prière. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et notez bien la suite. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si je vis ce que la parole de Dieu me demande, mon cœur va être là-haut. Mon cœur, mes pensées vont être en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est là-haut. Il est le Dieu très haut. Quand l'inquiétude va venir frapper à la porte de ton cœur, pour des raisons légitimes, tu vas dire stop, je le refuse. Je le refuse. Et je vais faire ce que Dieu me demande, je vais me tenir devant lui et je vais prier et je vais apporter le problème là-haut. Amen. Pour que mon cœur et mes pensées soient gardés en Jésus-Christ. Chaque fois que je me nourris, que tu te nourris de tes problèmes, ah, les démons se frottent les mains. Ils n'attendent que ça. Que tu ressasses tes problèmes, tes difficultés, tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, etc., tout ce qu'on t'a fait. Mais le diable n'attend que ça. Arrête avec ça. Moi, je te le lis de la part du Seigneur. Arrête avec ça. Ne fais pas le jeu du diable. Laisse ça de côté. Ne t'inquiète de rien et fais connaître tes besoins. Amen. Et il y a une promesse, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est pas tout. Après le verset 7, il y a le verset 8. Vous aurez appris quelque chose ce matin. Au reste, frère, oula, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On va lire la suite après. Il va falloir être à l'école de Dieu et apprendre à discipliner nos pensées. Faut s'entretenir de ce qui est vrai. Et comme le diable est le père du mensonge, il va t'amener à penser ce qui n'est pas vrai. Une personne souffrait dans son corps, et cette personne qui n'était pas chrétienne s'est imaginée qu'elle avait un cancer. Alors parfois c'est vrai, hein, mais je cite ce point pour illustrer mon message. Et cette personne a commencé à se nourrir de ça, j'ai un cancer, j'ai un cancer, j'ai un cancer. Et comme elle n'était pas chrétienne, un jour c'était tellement fort qu'elle s'est suicidée, mais on a fait l'autopsie. Et pas de traces de cancer du tout. Et quand on se nourrit de ce qui n'est pas vrai, ça peut déboucher sur des choses extrêmement graves. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Ne me dites pas que le Saint-Esprit vous parle quand vous nourrissez de choses impures à longueur de journée. Ça, j'y crois pas du tout. Hein. On ne changera pas les lois de Dieu. Si tu te nourris de saleté, ne me parle pas du Saint-Esprit sur ta vie. Tout ce qui est pur, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Alors la promesse qui suit, Paul dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Là, on passe une vitesse de plus. Parce qu'il n'est plus question de la paix de Dieu, mais du Dieu de paix. C'est déjà une chose merveilleuse que d'avoir la paix de Dieu, mais c'en est une autre que d'avoir le Dieu de paix avec nous. Il va falloir que nous disciplinions nos pensées, que nous apprenions à faire ce que le Seigneur nous demande. Mais Seigneur, j'y arriverai pas. Ben, ça recommence, quoi.
Arrête! Arrête avec ça! C'est vrai que tu n'y arriveras pas, mais le Seigneur est capable de te donner la capacité d'y arriver. Amen. Sinon, on n'aurait pas besoin du Seigneur. Bon, allez, je termine avec la manière dont le Seigneur donne sa paix. Dans notre texte, de toute manière, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Là, vous avez tout en quelques lignes. De toute manière. Je ne sais pas comment est votre Dieu, mais le mien, il a ses manières. Et il n'a que de bonnes manières. Il donne la paix. Comment ? Oh, la palette est assez large. Il donne la paix en réponse à une vraie vie de prière. On l'a lu. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il donne la paix en nous envahissant de sa présence. Je passerai des détails ce matin, d'autant plus que le message sera sur le site internet. Mais en 1971, mon épouse et moi sommes passés par une grande tempête. Une tempête qui pouvait ébranler notre paix. Et au début de cette tempête, mon épouse a été envahie d'un calme olympien, d'une paix surnaturelle. Et moi, c'était la bagarre intérieure. Jusqu'au moment où le Seigneur donne sa victoire. Et quand ça en est terminé avec moi, c'est ma femme qui est passée par la moulinette. Ça a commencé chez elle. Et ça a duré un combat qui a dû durer plusieurs mois. Et quand les choses allaient moins bien dans le domaine de la paix, parfois on demandait l'aide des frères pour qu'ils prient pour nous, parce que la prière, c'est une clé. Et le Seigneur a fini par donner sa victoire. Mais cette paix surnaturelle qui a pu envahir le cœur de mon épouse à ce moment-là et plus tard le mien, a été l'une des manières de Dieu de nous communiquer la paix. Il nous envahit de sa présence. Il peut te communiquer la paix ce matin par sa parole. Un texte, une promesse de la Bible, un récit biblique. Le Saint-Esprit prend ça et vient te le mettre dans ton cœur. Par un don spirituel, une parole prophétique. Personne ne connaît votre situation, une petite sœur, un petit frère prophétise et le message arrive comme une flèche dans ton cœur et on a l'impression que Dieu dépose une partie de lui-même à ce moment-là. Ce n'est pas une contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, mais parfois Dieu se sert de la communion fraternelle. Ne cherchez pas la paix avec les chrétiens qui vivent dans les histoires. Ça, vous ne la retrouverez jamais, hein. Ça, c'est sûr. Non, mais il n'y a pas de chrétiens qui cherchent les histoires, qu'est-ce que je raconte. Cherchez la paix avec des hommes et des femmes de paix. Je crois que c'est Emmanuel qui a dit dimanche que la foi, c'était contagieux. La paix aussi. La paix aussi. Si vous êtes au contact de quelqu'un qui a la paix, dire, je ne sais pas, mais on le sent bien. Et c'est pour ça qu'il va falloir veiller tout à l'heure à notre union fraternelle, à la fin du culte, parce que le Seigneur de la paix sera toujours là, hein, il ne part pas à la même finale, que nous puissions nous faire du bien. Veillez à votre état d'esprit après le culte. Vous savez à quel point on y veille ici. Veillez à vos conversations, que rien n'attriste l'esprit de paix. Et puis oui, le Seigneur nous donne la paix aussi en nous éduquant, en faisant de nous des disciples accomplis. Dieu veut nous apprendre à discipliner, à dompter nos pensées, et il attend de nous un apprentissage sérieux, une écoute attentive, nos regards sur ceux qui peuvent être des modèles et que nous pourrons imiter et mettre en pratique ce que nous voyons chez eux. Paul osait dire, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Vous avez 2 minutes. Oui, parce que j'ai dit 2 minutes et si c'est 3, vous êtes toujours d'accord. Connaissez le chant qui a été chanté par la chorale angélique à Noël, je mets Noël entre guillemets.
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Paix sur la terre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pas loin de là, dans une simple auberge, dans une mangeoire à bestiaux, le prince de la paix était venu. Et le père de Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, l'avait prophétisé. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour nous conduire dans les chemins de la paix. Parfait. Vous connaissez le chant du jour des rameaux ? On va le relire parce que vous l'avez déjà oublié. Luc 19. Luc 19. Verset 38. Jésus est monté sur l'Anon. Il avance au milieu d'une foule en liesse. Et ces gens disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ça veut dire ça ? Que la paix est remontée ? Elle était sur la terre. Et là, on approche de la croix. Et ces gens ne se sont pas rendus compte de la prophétie qu'ils chantaient à ce moment-là. Mais il n'est plus question de paix sur la terre, c'est paix dans le ciel. Mais pasteur Balière, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il faut lire la suite. La foule est en liesse. Des adultes, des vieillards, même des gosses, parce qu'ils vont répéter dans le temple ce que les adultes ont chanté sur le chemin qui descendait vers Jérusalem. Il descend vers Jérusalem sur l'âne. Pour ça, il faut se méfier de l'ambiance des réunions. J'ai horreur de ça. Parlez-moi d'onction du Saint-Esprit. Parlez-moi de l'atmosphère divine que crée le Saint-Esprit, mais s'il vous plaît, ne parlons pas d'ambiance. Je vomis ça. À l'ambiance, y est. Mais on n'est pas à l'unisson du cœur de Dieu. Et on n'est surtout pas à l'unisson du cœur de Dieu. Approchez-vous de l'Anon, vous allez voir, celui qui est dessus pleure. Il pleure. La foule, elle laisse aller ses sentiments, ils sont en avance de plusieurs siècles. C'est pas l'heure où le roi vient, c'est l'heure où le sacrifice vient. C'est pas l'heure du trône, c'est l'heure de la croix. Et on est là au milieu d'une église qui est complètement en dehors, qui n'est pas à l'unisson du cœur de Dieu. Alors quand ça danse dans les églises, quand ça hurle dans les églises, moi je dis que les gens ne sont pas à l'unisson du cœur de Dieu. Vous savez à quelle heure nous sommes ? Prenez-moi la parenthèse. C'est l'heure où les sacrificateurs doivent pleurer entre l'autel et le parvis. C'est l'heure où il faut crier à Dieu, déchirer nos cœurs, parce que le monde s'effondre et parce que l'Église d'Occident va mal. Dieu n'attend pas des gens qui vocifèrent, il attend des gens à ses pieds qui pleurent. Amen. Bref, lui il pleure. Et écoutez-le. Jérusalem, Jérusalem, voilà ce qui va t'arriver, tes ennemis t'environneront de tranchées. Voilà les malheurs qui vont fondre sur toi. Pourquoi ? Tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Le Seigneur de la paix, je suis d'accord, il venait pour ça. Ils l'ont mis sur une croix. Alors oui, on entend ces paroles qui montent, paix dans le ciel. Parce qu'effectivement, quand il va revenir,
Lui, le grand souverain sacrificateur. J'ai toujours essayé d'imaginer ça avec le psaume 24. Porte, élevez-vous lantôt. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Il arrive là-haut, avec son propre sang. Les portes d'or s'ouvrent. Je pense que les milliards d'anges ont fait une haie pour le laisser passer. Et il va jusque dans le lieu très saint. Il purifie les lieux célestes par son sang. Et il s'assied comme le souverain sacrificateur éternel. Il est le prince de la paix, la paix dans le ciel. Et maintenant, Dieu attend que sur la terre, des cœurs s'ouvrent pour qu'au lieu de crucifier le prince de la paix, nous le recevions. Oui, le jour des rameaux, on n'a pas chanté paix sur la terre, on a chanté paix dans le ciel. Alors je dis ceci, et j'ai fini, pardonnez-moi d'avoir été long. Dieu veut donner la paix en Jésus, en son Fils bien-aimé. Quand font les hommes, la terre mûrit pour le chaos, avant le règne glorieux de Christ, roi de Salem, roi de paix. Mais la Bible nous suffit pour savoir ce que va faire le monde. Ma grande question, c'est que va faire l'Église de la vraie paix de Dieu. On ne va pas s'occuper des autres, ce matin on a mieux à faire. Cette Église-là que nous formons, que va-t-elle faire de la paix de Dieu, de celle dont nous parlons? Ne pensez pas qu'on en a assez d'être des chrétiens inquiets, agités, toujours tourmentés par ce qui nous arrive, mais demain il nous arrivera encore des choses. Ce matin, en prenant la Sainte Cène, nous allons dire, Seigneur, donne-moi un temps de grâce. Je t'apporte ma vie et je t'apporte mon gros paquet avec moi. Ma femme inconvertie, mon mari inconverti. Je t'apporte la situation de mon fils, si près ou si loin. Je t'apporte la situation de ma fille. Seigneur, je veux partir de là, guéri. Guéri. S'il te plaît, fais-moi grâce. Donne-moi d'être un homme, une femme habitée par la paix de Dieu. Le reste t'appartient. Seigneur, que ta paix ne retourne pas à toi. Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez entrer dans une maison, vous allez dire, que la paix soit sur cette maison. S'il y a quelqu'un de digne, la paix reposera sur lui. S'il n'y a personne de digne, j'ai jamais bien compris ça. Votre paix reviendra à vous. Et moi, je sais une chose, c'est que Dieu, ce matin, est prêt à nous donner sa paix. À te donner sa paix. Que ton cœur soit ouvert et le mien aussi, pour que cette paix ne retourne pas à Dieu, mais qu'elle reste déposée dans ton cœur. Amen. Je ne peux pas dire plus pour vous faire du bien ce matin. J'ai épuisé ce que je pouvais vous dire, mais je compte sur la grâce de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur et puis l'un de nos frères va nous introduire dans le temps de Sainte-Cène par la lecture de la parole de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, mets ton baume sur nos vies. Il y a mieux en toi que le baume de Galaad. Il y a le baume divin. Il y a l'huile et le vin de l'esprit pour panser nos plaies. Je suis heureux de savoir que nous allons sortir différents. Nous allons toucher le Christ vivant. Nous allons toucher le Seigneur de la paix ce matin. Le reste t'appartient et le reste va être merveilleux. Parce que tu ne peux faire que des choses magnifiques. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Donne-nous de rester dans ce temps de cet esprit de louange, d'adoration, et que ce temps de Sainte-Cène soit un temps de communion avec Christ, et en même temps, un temps de communion les uns avec les autres. Merci de ce que tu vas faire encore, Seigneur. Amen. Amen.